Bonjour à tous, merci à vous de nous suivre dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Femmes, enfants et migrants aussi, première victime du retour des idées populistes en Europe et de la remise en cause également d'un certain nombre de droits, qu'il s'agisse pour les femmes du droit à l'avortement ou à la protection des violences contre les violences faites aux femmes, du droit à l'éducation également, du droit à la libre circulation. Est-ce qu'il y a, c'était un des thèmes qui a été débattu au cours de cette session, réellement menace sur les droits fondamentaux aujourd'hui en Europe, sous l'angle dont on est en train de l'esquisser là? On en parle avec vous. Trois députées européennes autour de ce plateau. Merci d'être là. Eva Joly, vous êtes députée Vert Alliance Libre Europe. Marie-Christine Vergia, vous êtes députée Gauche Unitaire Européenne, Gauche Verte Nordique. Et Christine Revaud-Allonne-Bonnefoy, vous êtes députée socialiste et démocrate. J'allais dire, commençons peut-être par cette sensation, ce moment extrême qu'on a connu hier au Parlement européen, quand ces deux jeunes femmes de la communauté yézidi, lauréates du prix Sakharov 2016, sont venues. Alors rappelons qu'elles avaient été réduites en esclavage sexuel par Daesh, après que tous les hommes de leur village, un village situé dans le nord-ouest de l'Irak, le village de Kocho, aient été massacrés. On a entendu leurs témoignages. Terrifiant, glaçant devant un Parlement sur lequel s'était abattue une sorte de chape de plomb et d'émotion, s'il faut bien le dire. J'allais dire, chacune d'entre vous, qu'avez-vous ressenti, qu'avez-vous pensé à cet instant tout à fait extraordinaire au sens où ça ne se produit pas, on n'a jamais affaire à des instants comme ceci. Qu'est-ce que vous avez pensé exactement au fond de vous-même face à ces témoignages, cette situation? On commence peut-être avec vous, Christine Revaud-Allonne. Tout d'abord, beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de honte face à le fait que l'Europe, encore aujourd'hui, ne puisse pas agir parce qu'on n'a pas encore cette compétence pour pouvoir agir en termes de défense, même si on a avancé il y a 3 semaines pour proposer une politique européenne de la défense. Mais aujourd'hui, on ne peut pas agir, on ne peut pas les accompagner. Donc, on leur remet un prix, c'est le moins qu'on puisse faire, mais c'est totalement insuffisant par rapport à ce qui leur arrive à ces femmes, par rapport à ce qui se passe encore aujourd'hui à Alep. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que regretter, mais concrètement, on n'agit pas. Et c'est vraiment une certaine forme de honte, parce que je sais qu'au sein du Parlement européen, il existe des parlementaires qui ont envie d'agir et on ne fait pas plus que ça. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Honte et presque culpabilité, j'allais dire, de rien pouvoir faire plus que d'écouter ce que nous ont dit ces deux femmes. Dans une région, rappelons-le, où l'Europe, je me retourne vers vous, Marie-Christine Vergia, où l'Europe est quand même clairement investie de différentes manières, par l'histoire bien entendu, mais aussi assez récemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, j'ai d'abord ressenti beaucoup d'émotions et j'ai ressenti que cette émotion était largement partagée par le Parlement européen. C'est vrai que beaucoup ont dit que c'est un moment qu'on n'a jamais vécu au Parlement européen. Oui, parce que ces témoignages de ces deux femmes, de ces deux très jeunes femmes, hein, elles ont 18 ans, est quelque chose presque d'insupportable, hein, d'entendre la façon dont elles ont décrit leur calvaire. Cette façon, comme vous l'avez rappelé, d'avoir vu leurs proches, l'ensemble des habitants hommes du village se faire massacrer sous leurs yeux, les femmes les plus âgées déportées pour être assassinées un peu plus loin, leur martyr pendant plusieurs années. L'une d'elles a quand même failli mourir au moment où elle s'est échappée. Elle est complètement massacrée, le visage complètement défiguré. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez hallucinant. On partage tous ce sentiment d'impuissance. Et je rebondirai sur ce que vous dites. Moi, c'est plutôt de voir comment l'Europe, l'Union européenne, a laissé la situation s'envenimer de cette façon. Parce que oui, beaucoup de pays européens ont eu une influence dans cette région, à commencer par la France et la Grande-Bretagne.
Et encore plus la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne a participé au conflit en Irak. Mais s'il était un mandat français, si on prend l'histoire, on a à voir avec ce pays. Mais on sait tous que la situation en Syrie a pâti de la dégradation en Irak et que Daesh est né en Irak des conséquences du conflit, irakien. Et on est impuissant. Avec des responsabilités de nos diplomaties sur place. Tout le monde semble avoir oublié que la guerre, le conflit en Syrie a commencé au moment de ce qu'on appelait alors le printemps arabe. C'était une révolte de la jeunesse, une révolte de la liberté. Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à cette aspiration de ces jeunes qui voulaient combattre leur dictateur comme d'autres ailleurs? On n'a rien fait. On a laissé les puissances régionales armées des soi-disant rebelles modérés et on a laissé le conflit dégénérer. Et la responsabilité pour moi, ce n'est pas une responsabilité de guerre. La question, ce n'est pas de savoir si l'Union européenne aura suffisamment de militaires à envoyer. Moi, je suis contre les interventions militaires européennes. Elles ont fait assez de dégâts. Ce que je regrette, c'est que la diplomatie européenne ne pas agir et continuer de ne pas agir. Alors on va y revenir sur ce débat-là. Je voudrais tout de même que Eva Joly nous dise un petit peu aussi son ressenti de cette journée hier. On a un président du Parlement européen, Martin Schulz, qui a dit on ne peut pas tolérer un deuxième holocauste en Europe, proche de l'Europe. On n'en est quand même pas loin. Il est en train de se commettre. Oui. Et il s'est commis ça à Alep. Moi, je dois dire que je partage complètement ce qu'a dit mes deux consoeurs. Il y avait une émotion très prenante dans l'Assemblée. Et moi, j'étais très sensible à la voix de cette jeune femme et à sa prière, parce qu'elle a dit qu'elle voulait que l'enseignement de l'islam violent cesse et que toutes les mosquées de la terre deviennent des lieux de miséricorde. C'est le mot que le traducteur a employé. Et elle parlait avec une voix forte. Et je trouvais ça impressionnant, cette très jeune femme, si claire, si porte-parole, si osée, si sûre d'elle, finalement. Non, c'était magnifique. Et moi, j'ai pensé au corps des femmes, à la souffrance séculaire, parce que ça n'a rien de nouveau que dans une situation de guerre, les femmes soient violées et capturées. Et nous avons vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des horreurs faites aux femmes. Et plus récemment au Congo, le corps des femmes est un moyen dans une guerre. Et donc ça, c'est lié malheureusement jusqu'à maintenant à notre condition féminine. On n'a jamais su l'empêcher, et là non plus. Mais évidemment, l'envie d'agir pour ces femmes et pour toutes les victimes de ces horribles guerres où nous sommes totalement impuissantes, et nous devons le transformer. Nous ne devons pas simplement nous sentir coupables, mais nous devons trouver les instruments qui permettent de prévenir. Et notamment, c'est vrai que la situation en Syrie et donc la montée en puissance du Daesh est complètement liée à la guerre absurde de Bush et de Tony Blair en Irak. On parlait de cette montée des violences faites aux femmes généralisées. On parle des terrains de guerre, là, des lieux où ont lieu les combats à l'heure actuelle. Mais j'allais dire qu'il y a plusieurs rapports. Il y a un rapport d'Amnesty, je pense au rapport d'Amnesty International, sur la situation dans les camps de réfugiés, par exemple au Liban, qui pointe comment les femmes, précisément, sont la cible de prédations, de prédateurs sexuels, etc. Et qu'en réalité, on voit revenir, vous êtes en train de le dire là, mais on voit revenir des choses qui finissent par devenir banales, en tous les cas des événements. Ça ne s'est jamais arrêté, mais y compris au sein de l'Union européenne, une femme sur trois, elle est victime de violences dans sa vie. Oui. Et c'est la réalité aujourd'hui. Alors, on va en reparler de l'Union européenne tout à l'heure, là on était sur les pourtours pour l'instant, mais c'est... Non, allez-y, puisqu'on est en train de parler de ça, de cette résurgence.
d'urgence. C'est terrible, et c'est particulièrement terrible pour des femmes qui n'ont aucun, très peu de protection, comme les femmes réfugiées. Et moi, je salue ce qu'a fait notre collègue Mary Honeyball dans son rapport sur les femmes réfugiées. On a beaucoup à faire pour elles, évidemment, et pour toutes les femmes, et au sein de l'Union européenne, quand on voit ce qui se passe en Pologne, où Pologne, les femmes étaient menacées d'être incarcérées simplement parce qu'elles pratiquaient un avortement, c'est-à-dire on dénie le droit à une grossesse et elles sont tenues d'avoir des grossesses forcées parce que c'est interdit. Et aujourd'hui, enfin hier, il y avait encore une grande manifestation des Polonais, c'était quand même les 35 ans de la bataille contre la loi martiale de Jaruzelski contre Solidarność il y a 35 ans. Et ils sont encore obligés de se battre parce que ce gouvernement polonais est en train de porter atteinte à tous les droits fondamentaux, et en commençant par les droits des femmes. Donc il y a des choses aussi au sein de l'Union européenne tous les jours où il faut se battre et il faut revenir dessus. En Pologne, il n'y a pas d'accompagnement pour payer la contraception. Donc les femmes polonaises, si elles ont de l'argent, elles peuvent se payer une contraception. Sinon, elles n'ont rien. Et comme elles n'ont pas le droit de se faire avorter, ça donne des situations comme ça. Maintenant, tous les groupes comme le planning familial que nous avons en France et qu'il va falloir protéger, parce que je pense qu'il va être durement atteint dans quelques mois si on n'y prend pas garde, eh bien, toutes les associations qui font ce que fait le planning familial en France, en Pologne, elles n'ont plus de subventions, elles vont uniquement vers des organisations dites catholiques. Oui, voilà la situation au sein de l'Union européenne. Parlons-en de la Pologne. Il y a ce que vous êtes en train de dire sur effectivement l'interdiction de l'avortement, enfin, qui avait été prévue. Et si c'est ça interdit, n'a pas eu lieu. Oui, c'est ça. La pire loi qui était proposée, c'était d'incarcérer les femmes qui pratiquaient un avortement. Mais elles n'ont pas le droit aujourd'hui de pratiquer un avortement. Et plus, on a appris récemment l'intention qu'a la Pologne de se retirer de la convention d'Istanbul. C'est enclenché. Comme un retour, comme une sorte. Oui. Comme si, en fait, malgré tout, le gouvernement polonais a un peu dû reculer sur la question de l'avortement, puisqu'il y a eu une très forte mobilisation en Pologne. La Pologne, grand pays, moderne, c'est un grand pays. Conservateur, mais c'est un grand pays. Et où les droits des femmes et les variables d'ajustement pour bien affirmer le retour aux valeurs chrétiennes, conservateurs, réellement. Mmh, et donc, les droits des femmes, c'est le premier à être sacrifié. Peut-être qu'il faut rappeler que la Pologne est un des pays de l'Union européenne, avec Malte et l'Irlande, qui a un des pire droit à l'avortement. Ce n'est permis qu'en cas de mise en danger de la vie de la femme. Et c'est ça qu'ils voulaient interdire et qui a provoqué ces manifestations-là. Donc, et après, il y a d'autres choses. Hein. C'est un des problèmes de l'Union européenne. C'est une des choses sur lesquelles toutes les trois, on se bat en commun pour qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour qu'on contrôle, je dirais, la dérive des droits fondamentaux à l'intérieur de l'Union européenne. Moi, je n'ai pas voté le rapport hier sur les droits fondamentaux parce qu'il ne va pas assez loin. On se contente de grandes généralités pour dénoncer ce qui ne va pas. Ça ne suffit pas. Il faut pointer là où ça ne va pas. C'est ça qu'on voudrait arriver à mettre en place. Tant qu'on en sera sur des généralités ou sur le grand consensus habituel dans cette maison, on n'avancera pas. Oui, les droits fondamentaux régressent aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne. C'est ça qu'il faut dire et répéter. Et l'attitude de la Pologne par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme est symptomatique de ça. Hein, il faut se rappeler les déclarations de Viktor Orban. Viktor Orban proclame qu'il est pour une démocratie illibérale. Ça veut dire quoi, être pour une démocratie illibérale? Ça veut dire une démocratie dans laquelle l'état de droit, les droits fondamentaux, la démocratie sont mises en cause. C'est toutes ces valeurs-là, les soi-disant valeurs de l'Union européenne, qui sont mises en cause aujourd'hui par un certain nombre de gouvernements. Quelle tentative, quelle solution, une fois qu'on a fait ce constat, bien entendu. Est-ce que vous pensiez qu'on arriverait sur les droits des femmes, qu'on reculerait un jour au point où on sent qu'on en est à l'heure actuelle en Europe? On voit que l'Union européenne ne fait sans plus que voter des textes répressifs et que les textes qui comporteraient des progrès sociaux ou des progrès des droits des femmes, comme le congé maternité par exemple, a été écarté par Jean-Claude Juncker pour
better regulation, il ne présente pas le texte qui porte le congé maternité. Par contre, on présente le PNR, où on présente le texte de lutte contre les dispositifs contre les migrants. Et donc, tout se passe comme si on laisse tomber les progrès sociaux. Tout ce qui pourrait consolider les droits des femmes est mis à l'écart et considéré comme trop problématique. Par exemple, l'ONU a reconnu le droit à l'avortement comme un droit fondamental. Eh bien, encore aujourd'hui, quand on le demande à la commissaire Jourova, qui pourtant fait un grand travail parce que c'est elle qui a demandé à mettre sur la table la signature par l'Union européenne de la Convention d'Istanbul pour que, y compris dans les États non signataires et n'ayant pas ratifié, on puisse protéger ces femmes. Quand on parle de l'entrée dans ces droits et dans les droits fondamentaux, au droit à l'avortement, eh bien non, l'Union européenne a dit « Ah ben non, c'est une compétence des États ». Et ça, c'est plus possible, quoi. C'est un droit fondamental, c'est l'ONU qui le reconnaît, donc on doit le reconnaître au sein de l'espace de l'Union européenne. Alors, il y a eu un vote à la dernière session du Parlement européen sur cette question, oui, une résolution. C'est un progrès. On va porter ensemble. Oui, bien sûr. C'est un progrès tout de même, c'est un point d'appui ou pas, selon vous ? C'est un point d'appui politique, mais maintenant il faut que le Conseil valide et signe, parce que nous on est prêts, on est prêtes, la Commission est prête sur cette convention, et maintenant c'est au Conseil de le valider. Et il faut se dépêcher, parce que si la Pologne commence à dire qu'elle se retire, il ne faut pas que tous les États les uns après les autres partent et que finalement on ne se retrouve pas avec une signature. Donc j'espère que la présidence maltaise, comme l'avait assuré la ministre, va aller jusqu'au bout. Et moi, je reviendrai à la charge avec la présidence maltaise sur l'avortement, parce que comme le disait Marie-Christine, à Malte, les femmes ne peuvent pas se faire avorter, donc qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles prennent des risques sur leur santé. Si elles ont de l'argent, elles se déplacent dans des pays où on a le droit de se faire avorter. Mais à chaque fois, ça n'empêchera pas les avortements. Simplement, ça remettra en cause la situation de ces femmes. Et quand on pense que nous, en France, la loi Veil, ça a plus de 40 ans, c'est insensé. C'est ça. On a bien compris d'ailleurs que dans la réaction de la Pologne, revenant ou souhaitant revenir en tous les cas sur la Convention d'Istanbul, il y avait un peu une réponse à ce vote du Parlement qui avait été, que vous aviez fait à la précédente session. Préciser, je crois que ça n'a pas été dit, que la Convention d'Istanbul, elle vise les violences faites aux femmes. C'est ça. Donc, je vous dirais qu'on puisse avoir des débats sur le droit à l'avortement. Nous, on se bat pour que toutes les femmes aient le droit à l'avortement. Mais les violences faites aux femmes, qu'est-ce qui empêche la Pologne de signer une convention sur la violence faite aux femmes ? Et de reculer et, même. Et l'autre élément est de reculer. De se retirer. Et je crois que l'autre élément par rapport. Le Parlement européen prend des positions qui sont plutôt avancées par rapport à ces sujets-là. Mais la question, c'est comment on les fait avancer dans l'ensemble de l'Union européenne. Or, le problème, c'est que l'Union européenne, en réalité, n'a pas de compétences sur ces sujets-là. N'a pas de compétences pleines et entières. Donc elle a besoin de l'unanimité des États membres pour avancer. C'est vrai en matière sociale. Pourquoi le congé maternité n'a pas avancé ? Parce que le Conseil a bloqué. Pourquoi on risque d'achoper sur la convention d'Istanbul ? Parce qu'il y a un risque que certains États membres s'y opposent. Et on est tout le temps là-dessus. Eva a raison, on avance sur les textes répressifs. Là, il n'y a pas de problème. Le Parlement européen est même obligé de se coucher systématiquement pour avoir... Il n'y a même plus d'avancée maintenant. On nous fait du chantage pour que la législation avance. Il y a un vrai problème de définition des compétences de l'Union européenne. Il faut mener le débat sur ces questions-là. Quelle Europe voulons-nous demain ? Cette Europe que nous voulons, ça veut dire changer les traités européens, faire évoluer les traités européens pour permettre que des progrès continuent à avoir lieu, parce que pour le moment, on se heurte au blocage des États membres et à des minorités de blocage. On le voit sur la directive travailleurs détachés. Il y a une minorité de blocage par les pays les plus conservateurs et les plus rétrogrades. Pour changer, il faut changer les textes européens. Alors, il y a ce travail institutionnel, bien sûr, au début que vous faites. Et il y a aussi la situation sur place. On sent tout de même, à l'heure actuelle en Europe, une remobilisation, et au-delà de l'Europe même, je pense à la Turquie, là, en l'occurrence, une remobilisation des femmes, de la résistance des femmes, à ce qu'un certain nombre de gouvernements ou d'États veulent leur imposer. Vous sentez ça ? Je parle de la Turquie parce qu'il y a eu cette loi invraisemblable, mais qui a provoqué quand même une grande mobilisation dans les grandes villes, et qui, quand même, malgré
malgré tout, face à un régime autoritaire s'il en est, l'a fait tout de même reculer. C'est-à-dire qu'on a là les femmes qui, ce sont des femmes qui, en Turquie, ont réussi à faire plier un peu le gouvernement d'Erdogan. Autoritaire et particulièrement conservateur, islamo-conservateur, donc qui a dit et répété un certain nombre de choses sur la place de la femme dans la société qui sont hallucinantes. Et oui, la société en Turquie, comme en Pologne, est en décalage par rapport à ça. Nous recevions Can Dündar hier qui nous disait ne confondez pas le gouvernement turc, les partis politiques turcs avec la société civile. La société civile turque a besoin de vous, a besoin que vous continuiez à l'épauler, à l'aider, à entendre son message. Et c'est tout à fait ça. Le texte turc était vraiment dramatique. C'était autoriser le mariage précoce et permettre le mariage en cas de viol, ce qui est quand même une des pires des choses. Je voudrais illustrer cette idée de la résistance des femmes par la Tunisie. Vous vous souvenez que lorsque les barbus avaient voulu réintroduire la polygamie, abaisser l'âge du mariage à 13 ans, les femmes se sont mobilisées, les femmes tunisiennes qui sont hautement éduquées et cultivées, elles ont pu imposer le départ de ce gouvernement, l'installation d'un gouvernement technocratique pendant quelques mois et de nouvelles élections. C'est les femmes qui ont empêché l'arrivée au pouvoir et l'instauration de nouveaux. Et on voit que cette envie-là de pouvoir épouser des très jeunes filles et d'avoir la polygamie, elle est sous-jacente. Et c'est la résistance des femmes qui l'a empêchée. Ce qui serait bien, c'est que ça soit conforté dans le vote, c'est-à-dire que quand il y aura des élections en Pologne, en Turquie, en Hongrie, les femmes et les hommes utilisent leur bulletin de vote parce que c'est aussi là que se fera la différence. Les mouvements de la société actuelle, il faut les encourager et faire en sorte qu'ils se multiplient. Mais après, il faut que ça se traduise dans le vote parce que c'est le principe démocratique et on ne peut pas passer au-delà. Ce qui s'est passé en Syrie marque aussi la fin de la croyance dans la révolution. C'est terrible. On ne peut plus appeler... Automatiquement. Je voulais également avec vous qu'on parle du problème des enfants, alors, parce que c'est un problème majeur qui concerne l'Europe, qui concerne aussi les pourtours de l'Europe et ces questions de migration dont on parle là. Jamais la situation n'a été aussi difficile. Je lisais encore ce matin un rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants entre la frontière française et l'Italie, où on renvoie aujourd'hui des enfants alors que les conventions internationales normalement protègent les enfants. On sait que en Europe il y a 10 000 enfants réfugiés qui sont à l'heure actuelle portés disparus, ce qui est quand même un chiffre ahurissant. Est-ce que c'est l'autre aspect de ce renforcement et de ce dédain pour une catégorie particulièrement fragile, particulièrement faible, peut-être avec vous Un dédain, je ne suis pas sûre, je n'utiliserai pas ce mot-là. Un oubli en tout cas. Ni un oubli. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas, on s'est pas donné les moyens suffisants et nécessaires pour pouvoir accompagner ces mineurs isolés. C'est-à-dire que quand on en parle avec toutes les autorités, en charge notamment en charge de l'accompagnement des réfugiés ou en tout cas de donner des instructions au niveau européen, eh ben oui, ils nous font le constat, ils partagent les chiffres et ils nous disent mais on ne sait pas comment faire, etc. Quand on parle avec les associations qui sont elles les premières en première ligne pour essayer de les accompagner, d'aider ces jeunes, elles sont démunies parce qu'elles n'ont pas les moyens pour faire ce qu'il faudrait. Donc je pense qu'on a un problème, un, d'harmonisation, de prise au sérieux de la situation et d'accompagnement des jeunes. On a vu le travail qui a été fait, il y a un certain nombre de jeunes mineurs isolés qui ont pu passer de Calais vers le Royaume-Uni, mais alors au bout de combien de temps et dans quelle situation, voilà, on a un,
un problème de, oui, je crois déjà, de moyens, de prendre la chose réellement au sérieux, ça tout le monde le dit, mais après il faut que ça se traduise et ce qui est une efficacité dans l'action qui ne laisse pas des enfants aussi longtemps et certains qui ont été du coup pris par tout ce qu'on appelle les passeurs et puis ceux qui font de la traite d'êtres humains. Les mineurs sont les premiers concernés par la traite des êtres humains dans l'Union européenne. À Paris, des familles qui dorment la nuit dans les rues. Vous voyez des enfants dehors. Le droit des enfants français à l'éducation et à être nourris et hébergés, il existe. Or, au centre de Paris, vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Pour ne pas parler d'un endroit comme Mayotte, par exemple. Je suis allée à Mayotte il n'y a pas très longtemps et il y avait des milliers d'enfants qui n'ont pas de logement, qui ne vont pas à l'école. Et c'est un département français. Et donc, la Convention des droits des enfants n'est pas respectée aujourd'hui, pas simplement pour les migrants, mais aussi pour des enfants français. Il y a beaucoup d'enfants français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et les institutions ne fournissent plus. Les juges pour enfants sont débordés, les institutions sont pleines et il y a des endroits où les enfants dorment dans les écoles ou chez les professeurs. 25% d'après les derniers chiffres d'Eurostat hein, qui sont en difficulté en Europe à l'heure actuelle. C'est un chiffre tout à fait ahurissant. Quoi, et donc, ça va de pair avec une concentration des richesses qui ne cesse d'augmenter sur des mains de moins en moins nombreuses, une augmentation de la précarité, du nombre de gens pauvres, et ce mouvement-là n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, avec cette particularité, simplement, je reviens là-dessus sur ce que vous êtes en train de dire, sur le fait qu'on n'hésite plus finalement à en faire un thème. On sait qu'une candidate à la présidentielle en France demande à ce qu'on règle, qu'on interdise, qu'on n'applique pas systématiquement le droit à l'éducation des enfants de réfugiés, des enfants migrants. Ce qui est quand même une chose qui c'est en France. Ça contraire aux conventions internationales, contraire à la loi. Oui, mais on le formalise sur beaucoup de choses. Moi, je crois que la situation des populations vulnérables, comme on dit, est très significative de la dégradation des droits de l'homme. Quand on n'est même plus capable de protéger les populations les plus vulnérables, c'est que quelque chose ne va pas dans une société. Moi, j'ai vécu une période dans laquelle on menait des batailles pour améliorer la situation des uns et des autres. Aujourd'hui, on est sans arrêt sur la défensive, sans arrêt obligé de rappeler à ceux qui nous gouvernent quelle est la législation. La situation des mineurs isolés est très symptomatique en la matière. J'étais samedi dernier dans la vallée de la Roya. Donc j'ai vu les situations, j'ai entendu les témoignages. Il faut que les citoyens et les associations se battent aux côtés des mineurs pour empêcher qu'ils soient renvoyés de l'autre côté de la frontière italienne. Ce n'est pas permis. C'est à l'intérieur de l'Europe. Les mineurs ne peuvent pas être renvoyés. C'est les textes internationaux, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est la Charte européenne des droits de l'homme qui disent l'intérêt supérieur de l'enfant d'abord. Des gamins de 14 ans ont été renvoyés de la frontière et... Comme dans tous ces systèmes-là, on le sait, ils passent la frontière et ils reviennent dans une situation un peu plus dégradée parce qu'ils ont passé des jours encore en plus. Des choses sont possibles. Grâce à la bataille des citoyens dans la vallée de la Roya, on a réouvert un centre pour mineurs dans les Alpes-Maritimes, ce qui est un vrai défi compte tenu du conseil départemental, du conseil régional, qui sortent des insanités du même genre que celle de Marine Le Pen. Et oui, Marine Le Pen dénie le droit à l'éducation de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle veut en faire ? Les laisser à la rue ? Leur donner juste le choix de devenir des voyous ? Enfin, c'est hallucinant. On vit dans un monde hallucinant. C'est contraire à la déclaration des droits de l'homme. Si on essaie quand même d'esquisser quelques pistes qui nous rendent moins moroses que ce qu'on est en train de décrire là. On est en train de faire une arme de guerre. Allez-y. J'espère, en tout cas, au Parlement européen, on a pris nos responsabilités. Quand on a voté pour le mécanisme de l'état de droit, c'est-à-dire faire en sorte que le système aujourd'hui, où pour sanctionner un État qui ne respecte pas l'état de droit, c'est l'article 7 des traités, et autant dire qu'on n'y arrive jamais parce qu'il faut la majorité des 3/5, on n'y arrive pas. Nous, on a proposé un système, c'est le rapport de Sophia In't Veld qui a été voté en plénière. On a proposé un système où, à partir du moment où, sur une évaluation qui se fait,
pas simplement par le Parlement européen ou par les gens de la Commission et autres, ça peut aussi se faire par un panel d'experts indépendants, des magistrats, des associations, et qui considèrent qu'il y a un non-respect de la législation, de l'état de droit général dans les États membres, ce mécanisme peut s'activer beaucoup plus rapidement. Et ça, ça peut être l'outil. Il n'y a pas de raison qu'on ait, pour les pactes de stabilité, pour les questions économiques, on est intransigeant, on est prêt à faire sortir un État de la zone euro, et puis pour les questions du respect de l'état de droit, non, bah, c'est pas grave, on va attendre. Non, il faut qu'on ait une rigueur et une arme, j'utilise ce mot, pour pouvoir sanctionner les États et les sanctionner là où ça fait mal. Un, au porte-monnaie, c'est-à-dire dans les subventions versées par l'Europe à ces États. Et deux, si ils sont allés au-delà de ce qui était les respects du droit, eh bien, ils sortent de l'Union européenne. Moi, je vois que ça pour qu'on ait enfin un respect des règles de droit et considérer que les valeurs et le respect du droit est la première chose à respecter pour être dans l'Europe. Et ça redonnera aussi confiance des citoyens européens envers l'Europe, parce que c'est une Europe qui protège et qui les protège tous. Il y a un combat politique, idéologique aussi à mener. Quels sont les terrains sur lesquels, on parle bien sûr de certains terrains ici, quels sont les terrains sur lesquels on peut mener aujourd'hui ce combat, où vous allez les uns les unes et les autres le mener? Je pense qu'un des combats les plus importants, c'est pour la liberté d'expression. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a pas de journaux indépendants, il n'y a pas d'information des citoyens et les gouvernements continueront à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et là, la situation en Hongrie est évidemment terrible parce que le dernier journal indépendant a été fermé. Les journalistes sont arrivés, les locaux étaient fermés. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été capables de faire de sorte que cela n'arrive pas parce que le PPE à laquelle ce pays où il y a beaucoup de députés PPE qui... Et la grande coalition empêche qu'on les pointe du doigt. Mais évidemment, c'est insupportable de constater des violations du fondement même de l'Union. Aujourd'hui, probablement, ni l'Hongrie ni la Pologne ne rempliraient les conditions d'adhésion. Donc je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Avoir un mécanisme comme prévu à l'article 7, mais que nous pouvons activer plus simplement et utiliser... pour la Pologne et pour l'Hongrie, qui reçoit beaucoup de moyens de l'Union, cette arme très dissuasive, si vous ne respectez pas les droits fondamentaux de l'Union, mais c'est aussi fini des subventions. C'est un thème politique, ça, Marie-Christine Verger, aujourd'hui, vous le pensez, y compris nationalement, les élections se profilent, on le sait, etc. C'est un thème politique qu'on peut mettre en avant aujourd'hui? Ah, moi, je pense qu'on peut mettre et qu'on doit mettre toutes ces questions en avant. Y compris la question migratoire que tout le monde a peur d'aborder, de peur d'alimenter les fantasmes. Moi, j'ai été très frappée par une chose après le démantèlement de Calais, et je vais répondre à la question derrière. Le Front National a tenté de mobiliser contre les centres d'accueil et d'orientation. C'est pas la panacée, les centres d'accueil et d'orientation, mais dont acte, c'est un moment pour essayer de prendre... de prendre en compte les situations. Il y a des problèmes avec les mineurs, là encore, mais bon. Le Front National a essayé de manipuler partout, systématiquement. Des mobilisations citoyennes se sont organisées. Et les gens favorables, criant « Welcome migrants », étaient plus nombreux que les gens d'extrême droite qui voulaient rejeter les migrants. Moi, je crois qu'il faut mener le débat. Il ne faut pas avoir peur de mener le débat sur ces questions-là. Hein, on a des gouvernements, toutes couleurs confondues, qui sont dans la régression des droits. La France est sous état d'urgence, on a encore prolongé l'état d'urgence jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Ouais. Donc on n'a pas de leçons à donner Erdogan, en France. Erdogan dit « je ne fais que… » Que faire la même chose que la France. Et Orban fait pareil en disant, oui, voilà, point par point, il cite, oui, un État membre qui fait comme lui. Alors que nous avons une législation antiterroriste qui est très performante, on peut le dire, qui permet de faire tout ce qu'on peut faire en état d'urgence, mais sous le contrôle d'un juge. Et donc, il n'y a pas de raison autre que politique, purement politique, de prolonger l'état d'urgence. Donc, ça, comme c'est des raisons purement politiques, ça nécessite de mener les débats. Moi, je pense que tous ces débats sur les questions des droits et libertés sont des débats fondamentaux, parce que l'Union européenne est à un instant critique de son histoire.
Hein. On dit sans arrêt les valeurs de l'Union européenne. On le sent bien dans l'ambiance qu'il y a générale, oui, dans tous les débats à l'heure actuelle. Hein. Oui, mais parce que beaucoup de gens, on est un peu paralysés au Parlement européen dans les batailles. Moi, je vois surtout, on fait des belles résolutions, des beaux rapports, mais dès qu'on passe au texte législatif, on est dans la régression. Systématiquement, on est dans la régression. Nous sommes en résistance, je dirais. Oui, on est en résistance. Ça tient tant bien que mal. On arrive. La dernière fois que je suis venue là, on a parlé de l'adoption de mon rapport sur droit de l'homme et migration. Il y a eu des majorités possibles dans ce Parlement européen pour continuer d'avancer sur ces questions avec des gens de tous bords politiques. C'est plus une majorité gauche-droite, mais on peut avoir des gens qui soutiennent sans tout. Donc il y a des batailles politiques à mener. Et donc je pense que oui, c'est un enjeu fondamental. Hein. Les mobilisations citoyennes peuvent nous aider. Hein. Quand je vois, notamment, on a parlé de ça. Quand je vois la vallée de la Roya, ce qui est en train de s'organiser autour de cette formidable mobilisation citoyenne, et qui va continuer, puisque ces gens sont traînés devant les tribunaux actuellement, on va avoir des procès jusqu'au mois de mai, ça va permettre d'alimenter le débat sur ces sujets-là. Il faut redonner de l'espoir, hein, arrêter les fantasmes. Hein, c'est ce que je disais à Bernard Cazeneuve, qui nous a fait l'honneur de venir nous voir juste avant sa nomination comme Premier ministre. Ça, c'était remarquable. Hein, c'était dont acte. Il savait très bien ce qu'il en était, à mon avis. Mais qu'on arrête avec les fantasmes de l'invasion migratoire en France. Il n'y a pas d'invasion migratoire en France. Qu'on regarde les chiffres pays par pays. Donc qu'on ose affronter ce débat. Qu'on ne se laisse pas entraîner dans les dérives de l'extrême droite. Voilà. Qu'on regarde les chiffres et qu'on travaille sur les chiffres, qu'on dise la vérité. Hein, et quand il y a vraiment problème, la solidarité citoyenne est là. Donc utilisons-la. Vous voulez redire un mot peut-être ? Non ? Très bien, écoutez. Ce qui est très important, oui. Moi je crois qu'il y a une chose, c'est que le populisme, l'avancée, ça tient aussi beaucoup aux conditions économiques et à la perte de l'emploi, le fait qu'il n'y a pas d'espoir. Et là, c'est l'instauration des barrières, barrières douanières. Il faut mettre un taxe CO2, il faut se protéger contre le dumping chinois. Ça va aussi nous aider à lutter contre le populisme. Voilà, merci à vous, merci beaucoup d'être venu autour de cette table. Merci à vous qui nous avez suivis. Ne manquez pas l'autre débat sur le site de l'humanité.fr qui est consacré à la lutte contre l'évasion fiscale et la protection des lanceurs d'alerte. On est en plein dans l'actualité. Ne manquez pas sur notre site ce débat également avec trois députés européens. Merci à vous, merci de votre attention. À bientôt, au revoir.